Précédemment, on est arrivé à la trêve avec un point de retard sur Villars-sous-d'Anjou, 10 points d'avance sur le troisième. On savait que le titre se jouerait en deuxième partie de saison entre nous et Villars-sous-d'Anjou. On a repris plutôt facilement avec une victoire 6-0 sur Feu le Solomon. Pendant ce temps, Villars-sous-d'Anjou, malgré 9 victoires en 10 matchs sur la phase aller, a débuté la phase retour avec plusieurs contre-performances, 2 matchs nuls et une défaite. Pendant ce temps, on enchaînait une deuxième victoire face à Vaufray, 2-0. Malheureusement, sur le match reporté face à Montando, on fait seulement un match nul, ce qui nous met à 4 points devant Villars-sous-d'Anjou, sachant qu'il nous reste 3 matchs à jouer avant de les affronter, 3 matchs qu'il faudra absolument gagner pour pouvoir arriver avec 4 points d'avance à Villars-sous-d'Anjou et pouvoir rester en tête même en cas de défaite là-bas. Match en retard à Montando, on fait un match nul, c'est une contre-performance. Après, contre-performance, oui et non. On va dire sur le match, on fait plus d'une heure à 10. Donc forcément, à ce moment-là, je pense qu'on aurait tous signé pour un match annuel. Et ensuite, en termes de points, ça change pas grand-chose. Ça nous permet d'avoir 4 points d'avance sur Villars-sous-d'Anjou. Donc ça nous offre une cartouche pour la fin de saison. Il reste 3 matchs avant Villars-sous-d'Anjou. 3 matchs à gagner absolument pour arriver avec 4 points d'avance là-bas à Villars. Oui, ça, de toute façon, l'équation, c'est clair et net, c'est ce qu'on a dit aux joueurs. Faut tout gagner jusqu'à Villars, donc ces 3 matchs-là, faudra les gagner, même si ça va pas être 3 matchs simples. Ça fait 3-4 matchs là, puis la trêve, on rentre pas très bien dedans. On a du temps à rentrer dans nos matchs, on a du mal à faire les différences. Comparé au début de saison, on marquait justement dans le premier quart d'heure, dans les 20 premières minutes, et direct on se rendait le match facile. Ce match là, c'est là que ça va jouer. Si vous êtes capable de marquer dans le premier quart d'heure, vous les assommez, c'est fini. Par contre, si on les laisse en vie, si on les laisse espérer, ça va être très compliqué pour nous. Plus le match va avancer, plus ça va être bon pour eux. Le temps, il va jouer pour eux, pas pour nous, aujourd'hui. Donc vraiment, dès l'échauffement, il faut vous mettre en position pour tuer le premier quart d'heure. Il faut tout de suite être dedans. Maintenant, là c'est au coup près, hein, chaque match. Chaque erreur qui sera faite, on va le payer cher. C'est nos 8 derniers matchs. On n'a pas fait tout seul jusque là pour s'arrêter maintenant. Comme pareil cette semaine, moi je veux des chiens sur le terrain. Même si on est un peu moins bon, par contre on doit avoir envie. Dans l'envie, dans le duel, dans le s'envoyer. Même si on est moins bon. Ok? Allez, moi. 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 Allez, moi.
Jean-Paul, allez. Là, je te disais. Personne te l'a dit jusqu'à là maintenant. J'en ai le même mal dit. Tout le monde a vu. Moi j'aime bien mettre une vidéo. Oui. Oh dommage. Ça à toi, ça à toi. Oh. Les gars. Ouais. Et quand tu fais. Ouais. Waouh. Oh, oh. Allez, chat. Oui.
Oui. Yes. Bravo Rennes, bien chaud, hein. Non, non, sans faute. Bien joué. Si, si, c'est mon gars. Oh non. Ouais, loup. Ah. J'ai loup. Juste les forces, ça suffit. C'est pour que ça suffit. Qui nous manque, c'est de tuer ce match-là. On a vu 3, 4 cases, on doit être au moins 2, 3-0, et là c'est fini, c'est football plaisir pour nous. Alors attention, justement, on va essayer de finir vos occasions, mettre le deuxième tout de suite pour leur faire mal. Là derrière, on joue aussi un petit peu trop à la maman, on se dépasse, on joue tout à 2 à l'heure, il faut arrêter les 3 derrière. Hein. Thiago, Noam, Lou, on joue tout à 2 à l'heure. Prenez le temps, on joue avec Thiago, machin, c'est Thiago qui va se décaler côté, et Noam qui reste dans l'axe. Non, 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 pas de ça. Pas de ça. Les seules fois où vous avez mis un petit peu de rythme, ils sont dépassés. Et sinon, c'est très bien hein, ce que vous faites. C'est très bien. On vient de nous duel. Faut juste faire attention. Limitez vos fautes. Ta faute là-bas, elle est complètement conne sur les deux. En plus, maintenant, ils ont peur de tout. Donc, à part les touches, ils vont peut-être que tomber. Il y a juste celle d'avant. Tu vas par derrière si tu le touches. Non, franchement, je suis là. On leur donne 2-3 de la touche comme sur les coups. Faut juste limiter ça. Si on limite les fautes, vous êtes 10 fois meilleur qu'eux. C'est sûr. Là, l'entame du premier quart d'heure, elle va être hyper importante. Ils sont tous en train de s'énerver, de gueuler sur l'arbitre, machin et tout. Ils sont complètement sortis. Vous êtes plantés tout de suite. 1-2 buts dans le premier quart d'heure. Vous pliez le match. Après, vous faites plaisir. Après, c'est régal. Ok ? Allez, rouge, pareil, j'aime l'attitude. J'aime tout, les gars. On joue au ballon, on se fait plaisir. On joue au foot, on va marquer des buts. Allez, pour les potes, allez, bip ! Allez ! Et... Va. Oui, bah, ça va. Oh!
Thank you.